Là, on arrive sur mon île, mon petite île, c'est Kobulon. Je vais y passer quelques jours. Ma première île en Thaïlande. Maintenant, la seconde. Celle-ci, c'est vraiment celle que je fais toute seule. Voilà, Kobulon. Pas beaucoup de touristes. Hein. Ah, on va aller voir s'il y a des hôtels au moins. On va dire que c'est la blague du jour. Alors ça, c'est les super bungalows de l'école. Voilà. Alors il n'y a pas de teacher. Hein, donc en fait, à peu près, c'est fermé. Donc en fait, il faut que je squatte un des bungalows. Alors ils sont ouverts. Il faut que je choisisse mon bungalow. Voilà. Donc on va bien voir. Donc celui-là, il est ouvert. J'ai vu personne. Hein. Donc en fait, c'est gros squat. Waouh, putain. Voilà. Bungalow. Et là, la lumière de 6h30 jusqu'à 10h30 du soir. Voilà. Ok. Il a l'air pas mal celui-là. Un peu sombre quand même, j'avouerai. Je crois qu'il faut même pas se poser la question au niveau des serpents ou des araignées là. Bon alors, je crois que j'ai une petite confidence aujourd'hui. Je crois que j'ai trouvé mon petit coin de paradis. Voilà, pendant quelques jours, je vais me réveiller avec ça devant moi tous les matins. C'est pas magnifique. Voilà. Alors, les petits bungalows de l'école étaient pas mal, hein, mais quand même un petit peu sombre à mon goût. Et puis, il n'y avait pas la mer en face. Alors, c'est vrai que là, je payais un peu plus cher parce que tout à l'heure, c'était un peu gratuit quand même. Et là, je paye, voilà. Je paye 400 bahts. Alors, on pourrait être plusieurs dedans, hein, évidemment. Voilà. J'ai pris mon lit double et deux lits simples. Alors, un lit pour mes bagages et voilà, le petit fan, l'électricité qui marche de 6h à 2h du mat. Donc, en plus, un petit peu plus de temps. Et voilà. Je crois que je vais passer du bon temps. Hein. Alors voilà, j'étais contente de pouvoir ramener ça dans mes valises. Manque de peau. Il est squatté. Salut Coco. Ça si on le voit. Voilà. Il est un peu plus gros que mon poignet. En même temps, je n'ai pas des gros poignets, mais... Quand même, hein. Kobulon, ville magnifique, paradisiaque. Allez, on trimme à la mer. Bah alors, Coco. Alors c'est marrant, il avance en arrière, le con. Et il rentre à la maison. Alors ça, c'est un petit varan. Il est magnifique. Oh, bah, pas aussi vite, petit père. Alors, je n'ai vu un de au moins 1m50 tout à l'heure. Je sais pas si on le voit, mais alors celui-ci, il est quand même assez énorme. Gros pépère. Gros pépère. Hein? Failli pas te voir. T'as failli m'avoir. Et ils sont beaux, hein. Ils sont super beaux. Magnifique. Oh, un beau spécimen encore. Oh là, il va super vite. Oh, mais j'adore ces animaux, ils sont magnifiques. Hello, son.
I'm sure I never eat a coconut so fresh, you know? Yeah. Only the brown? No, I already eat this kind of, you know, but it was in Bangkok or in Lampang, you know, in the north. Oh. But this, you just take it from the tree, you know? Yeah. Like maybe 10 minutes ago, so... Yeah. 2 minutes ago. 2 minutes, okay. Little fry. Yeah, I can see it. These coconuts, yeah. Already get. Oh, I can see the juice going out. Wow, so huge, so huge. Be careful in the falling down. Et voilà, on est parti en road trip fishing. Hey! On va essayer de pêcher du poisson avec les gannes là qui sont juste en face.